Hello tout le monde, j'ai eu envie de changer et de vous proposer, en plus du tirage saisonnier, hein, qui ne changera pas, quelque chose de plus court. C'est une idée qui m'est venue grâce à un ami qui m'a dit: j'aimerais pouvoir t'écouter en 5 minutes top chrono et de ma voiture. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi ne pas proposer une sorte de résumé à mes abonnés? Comme ça, si vous avez déjà écouté la version longue, bah, ce sera plus facile pour vous de réécouter pendant l'été la version courte. Je vais vous rappeler les points essentiels. Et pour ceux qui n'ont pas encore été regarder la version longue, en écoutant la version courte, vous allez savoir si la version longue pourra vous intéresser et si ça résonne en vous. Mes petits poissons, cet été, si je devais donner un titre à votre été, ce serait « Vous saurez bientôt pourquoi cela est arrivé ». Alors moi, je vous conseille de vous préparer parce que ça va être un été qui va vous faire tourbillonner. Il va y avoir beaucoup de rebondissements et de transformations. Les problèmes, il va y en avoir, mais ce seront vos nouveaux professeurs. Donc, il est inutile de fuir les tracas. Ils sont là pour vous enseigner des leçons. Donc, je vous conseille plutôt de les embrasser comme un élève studieux. Émotionnellement, je ne vais pas vous mentir, ça va être le grand 8. Vous allez peut-être perdre un peu le contrôle sur certains événements. Donc, attention à ne pas vous transformer d'un coup en volcan en éruption émotionnelle. Je vous conseille de respirer profondément, d'éviter de ressasser le passé, ça c'est très important, et regardez toujours devant vous. Côté finance, eh ben, vous serez le maître. C'est vous le boss. Vous allez avoir les rênes en main. Alors pourquoi pas enfin lancer l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, hein? Mais n'oubliez pas que les meilleures idées naissent souvent sous la pression, mais que ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout le temps être sous pression. Donc relâchez un petit peu, ok? Votre créativité et votre inspiration vont attirer de nouveaux admirateurs, comme des abeilles sur du miel, et vous pourriez même convaincre quelqu'un d'investir dans vos projets. Donc, c'est le moment de réclamer la reconnaissance de vos talents, d'être audacieux, rebelle, et surtout, surtout, oubliez ce que les autres attendent de vous. Laissez votre énergie combative rayonner et puis imposez-vous. Oui, le poisson, cet été, peut devenir la petite sirène. Je vous conseille vraiment de clarifier vos intentions pour éviter tout malentendu. Vos talents de communication vont clouer le bec à bien des gens et vos arguments seront imparables. C'est peut-être aussi le moment de resserrer les liens familiaux, d'organiser des fêtes et de montrer à vos proches qu'ils peuvent compter sur vous. Côté sentimental, je dirais qu'il y a de l'amour dans l'air. Pour les célibataires, je pense que c'est le moment de tenter votre chance en amour. La séduction sera à la fois réelle et virtuelle pour certains, et vous pourriez expérimenter une connexion intense, un subtil mélange de romantisme et d'audace. Côté famille, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, pensez à la famille, et puis si vous en avez déjà une, à la grandir, et puis si vous n'en avez pas, peut-être à en fonder une. Alors mes chers poissons, plongez dans cet été avec l'enthousiasme d'une petite sirène et la sagesse d'un vieux poisson, et vous saurez bientôt pourquoi tout cela est arrivé. Donc voilà les amis, si ce format vous plaît, eh bien je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter. Si vous souhaitez avoir la version longue parce que vous ne l'avez pas encore visionnée, eh bien elle est dans la description de cette vidéo et vous trouverez plein d'autres informations dans la description d'ailleurs de cette vidéo. Et puis ben moi, je vous souhaite un merveilleux été. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis!